suis un blogueur, un journaliste citoyen, un expert des médias. Je suis développeur de formation, un informaticien à la base. Travailler pour l'administration en étant dans une organisation internationale pendant 9 ans. Ensuite, directeur numérique dans un groupe de médias. Et puis après, consultant international et devenu entrepreneur, et je m'occupe de mes activités, de mes propres projets. Cheikh Fall, un Sénégalais de 35 años, se convirtió en uno de los ciberactivistas más populares de África. Es más conocido con el seudónimo Cypher007, el nombre de su cuenta de Twitter, seguida por más de 60.000 personas. Fue el creador de la campaña #Suno2012 para el control ciudadano de las elecciones presidenciales de Senegal y de la primera red de blogueros de ese país. Pero su gran creación nació en 2015 y se llama Africtivistis, la Liga Africana de Blogueros y Activistas Web por la Democracia. Africtivist, c'est un réseau d'abord, c'est une organisation, c'est une association. Mais ce qui, moi, me paraît le plus important avant de définir Africtivist, c'est d'expliquer comment Africtivist est né et a vu le jour. Au Sénégal, on a eu une élection en 2012, une élection présidentielle. Et j'avais lancé une initiative permis de faire le monitoring du processus électoral et de surveiller, de mettre en place un réseau de e-observateurs et de faire du reporting. Après notre élection, le projet a séduit d'autres jeunes dans la sous-région et ils m'ont dit qu'ils veulent faire la même chose chez eux. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui avaient le même profil que moi, informaticien ou journaliste professionnel ou bien journaliste citoyen ou simple blogueur, mais qui voulaient faire la même chose ou qui sont en train de faire la même chose mais qui hésitent énormément parce qu'ils ont peur. Peur parce que ce n'est pas le même contexte. Peur parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Peur parce qu'ils sont censurés. Peur parce qu'il peut y avoir de la répression. Ils ne voudraient pas non plus prendre le risque de faire certaines choses au prix de leur vie. Et j'ai compris qu'il y avait une demande. Et la demande, c'était de créer un réseau qui allait pouvoir les accompagner avec une dimension internationale ou africaine, mais en même temps qui allait pouvoir porter ces projets s'il arrive qu'eux-mêmes, ils refuseraient de les porter parce qu'ils ne voudraient pas porter préjudice à leur sécurité. Et ça a mis du temps pour réfléchir et un peu voir comment et quelle forme cela pourrait avoir. Et j'ai été avec des amis blogueurs aussi, activistes, qui partageaient la même vision et qui comprenaient en même temps l'importance de mettre en place un réseau pareil. Aujourd'hui, ce réseau existe. Aujourd'hui, on est plus de 200 dans 40 pays du continent. Quand on l'a créé en 2013, il a fallu 2 ans pour qu'on le lance officiellement en 2015. Et c'est en 2015 qu'on a organisé le premier sommet à Dakar en novembre et on avait réussi à réunir 150 personnes. Et on avait compris qu'il y avait une autre exigence, une autre demande. Et la demande, c'était la sécurité et la protection. Parce que ces personnes-là n'ont rien fait de mal que de se positionner à un moment donné de leur vie pour dire que nous, on veut être ceux qui vont impulser une dynamique de changement et une dynamique pour promouvoir une nouvelle forme de citoyenneté dans nos pays. Parce qu'il y a problème. Et le problème, on sait tous que c'est un retard. Donc ces personnes-là sont dans d'autres pays. Africtivist les accompagne, les aide et porte leur projet si aujourd'hui ils n'arrivent plus à le faire. Sin lugar a dudas, hoy Senegal atraviesa una fase de mayor libertad de expresión que en años anteriores, pero el camino sigue siendo cuesta arriba. Entre los perseguidos que menciona Cheikh Fall están los estudiantes universitarios. Los colectivos de estudiantes senegaleses intentan contrarrestar a los medios de comunicación controlados por el gobierno que ignoran o incluso alteran sus reclamaciones. Los meses de abril y mayo fueron muy calurosos. Los estudiantes de las principales universidades de Senegal se manifestaban contra los graves retrasos en el pago de las becas para estudios del Estado. En la ciudad de Saint-Louis, en la Universidad Gaston Berger, los chicos después de haber bloqueado los cursos, decretaron los días sin billete, en los que todos que hacía meses no recibían el dinero de las becas, accedían a comedores universitarios sin pagar. Hay mucho de contestación de estudiantes
aussi bien à Dakar qu'à Saint-Louis et dans les autres universités du Sénégal, parce qu'il y avait un retard répétitif de du virement de la bourse. En février, les étudiants de Saint-Louis étaient à Dakar pour dénoncer ensemble ce fait. Ce retard de bourse a continué à persister et c'est ce qui a poussé aujourd'hui les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en tout cas à aller en grève et bloquer leur cours. Après, il y a eu un affrontement, en tout cas un front, entre les forces de l'ordre au niveau de l'université Gaston Berger et les étudiants de l'université Gaston Berger. Et nous avons perdu un camarade du nom de Faloussen. Et tout le temps, à chaque fois qu'il y a mort d'un étudiant, c'est parce qu'il y a un retard de bourse. Une rencontre entre toutes les universités du Sénégal, c'était pour mettre en place une plateforme et des propositions qu'on devait soumettre à l'État pour terminer définitivement avec ce problème de bourse-là. Las investigaciones sobre la muerte de Faloussené, que el presidente Macky Sall prometió llevar adelante, siguen en el aire. Mientras tanto, vuelve a ser normal ver las filas interminables y nerviosismo en las ventanillas de los bancos adyacentes a la universidad. Después de la muerte del chico, el gobierno pagó inmediatamente las becas a los estudiantes, cosa que demuestra que los fondos estaban disponibles desde antes. Esto ya había sucedido en 2014, después de la muerte de otro estudiante de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, llamado Bassoury Faye, a manos de la policía. On ne fait rien d'interdit, mais on a pris le choix d'être du côté des populations.